C'est une peine sévère que vient de prononcer le tribunal de première instance de Tétouan à l'encontre d'un jeune qui avait appelé à manifester sur son compte Facebook après la mort de Aya Belkacem, tué par des balles de la Marine royale sur un GoFast. Âgé de 27 ans, Soufiane Al-Ghad était poursuivi entre autres pour « outrage au symbole de la nation, appel à l'insurrection civile » ou encore « propagation de la haine », indique son avocat à telquel.ma. Des publications sur Facebook, dans lesquelles mon client a exprimé sa colère suite à la mort de Aya Belkacem, explique-t-il. Mon client n'a ni fait l'apologie de la haine, ni insulté aucun symbole de la nation. Il a uniquement dénoncé la mort tragique de Aya. La peine de 2 ans ferme est extrêmement dure et exagérée, ajoute l'avocat dont le client avait relayé sur Facebook un appel à une manifestation des ultras de Tétouan suite à la mort de la jeune femme. Durant le match, le drapeau espagnol avait été brandi et l'hymne national marocain avait été hué en direct à la télévision et après la rencontre, des biens publics et privés avaient été saccagés. Près d'une vingtaine d'autres jeunes sont actuellement poursuivis par la justice pour les mêmes faits. Soufiane Al-Ghad avait été arrêté le 1er octobre dernier. 2 jours auparavant, il avait diffusé sur Facebook la convocation de la police.